Nous sommes à côté de Barcelone pour un nouvel essai. Je vais carrément lever tout de suite le doigt interrogateur parce que figurez-vous qu'il se trouve que cette moto et puis la famille de motos qui viendra avec a pour ambition d'être carrément le troisième constructeur de motos européen en 2020. C'est Stéphane Pireur, le patron de KTM, qui l'a dit. Il a de grosses ambitions pour Husqvarna. Husqvarna qui avait une spécialité sur le tout-terrain, qui maintenant arrive sur le segment des motos de route et pas seulement que le supermotard. On avait les 701, maintenant on est vraiment sur des machines plus grand public. Et donc être le troisième constructeur européen d'ici 3, 4, 5 ans, ça implique d'être devant Ducati, ça implique d'être devant Triumph et ça implique surtout de faire plus de 60 000 motos à l'année. Donc c'est quand même de grosses ambitions. Il se trouve que ces ambitions reposent d'abord sur la famille des Vitpilon et des Svartpilon. Et la première de ces machines à être essayée sur le repère des motards, c'est donc cette 701 Vitpilon, à propos de laquelle je vous propose de faire un petit point, un petit tour de la session en 5 points justement pour savoir un peu comment elle se comporte et qu'est-ce qu'elle a à nous proposer. Alors le premier point, je ne vais pas vous faire l'insulte et l'injure de vous la décrire, comment est-ce qu'on la reconnaît, c'est très simple. On se souvient qu'il y a quelques années déjà, ces motos étaient allées sur tous les salons et qu'elles avaient quand même une certaine impression parce que d'un point de vue esthétique, on était quand même dans une position, un positionnement assez tranché par rapport à ce qui existe sur le marché. Et puis même si ces motos sont dessinées chez Kiska, hein, Kiska qui est le designer historique de KTM qui fait des motos un petit peu pointues, assez agressives, là on est plutôt dans la rondeur, dans la douceur, dans des lignes assez souples, mais malgré tout vraiment bien expressives. Hein. Je vous laisse plutôt admirer les petits renflements du réservoir, la peinture satinée, les points de détail comme la ligne de coupe ici en jaune, la selle avec un revêtement un petit peu moussé, et le sens des détails au niveau de l'échappement. Il y a un petit 701 qui est écrit dans le passage de roue à l'arrière, donc c'est vraiment une moto qui est soignée. Et ça, c'est quand même l'un de ses premiers arguments pour séduire un peu une nouvelle clientèle et imposer, je dirais, Husqvarna comme un nouvel acteur des motos de route, hein, sur le marché de la moto en France et en Europe. Deuxième point, le moteur, hein, c'est quand même un des aspects les plus importants d'une moto pour le plaisir qu'on a à conduire. Bah, c'est un gros mono, hein, 692 cm3, 75 chevaux à 8500 tours, il rythme à 9000. Et donc pour un monocylindre, c'est quand même étonnant parce qu'il est évidemment, il pilonne un peu à très bas régime. Hein. Quand on sera tous à rouler à 80 en 6e, ben ça va être un petit peu secouant dans le train arrière avec des mouvements de chaîne et de vilebrequin. Mais par contre, il s'exprime déjà très bien dans les mi-régimes. Et puis surtout, il est puissant, il est vif, il est coupleux, il a de l'allonge. Et en fait, c'est le genre de moteur qui vous fait redécouvrir et vraiment apprécier le monocylindre. Aujourd'hui, on a roulé autour de Barcelone. Il y a quand même beaucoup de petites routes de montagne et à des vitesses moyennes. Sans aller très vite, il y a un vrai plaisir, une belle connexion à la poignée. Ça ressort avec beaucoup de couple, hein, plus de 7 kg de couple sur cette machine. Donc sur ce plan-là, c'est vraiment une réussite. Troisième point, le châssis. Alors le châssis, on retrouve un cadre, hein, tout comme le moteur qui vient d'une KTM 690 Duke, on retrouve un cadre qui lui aussi est le cadre de la 690 Duke. Alors les suspensions sont un petit peu différentes au niveau des settings, hein, et au niveau des débattements, mais sur le reste, en termes de géométrie, d'angle de chasse, d'empattement, c'est, on va dire, un clone de 690 Duke. C'est logique, elle a tellement d'éléments en commun avec elle. Par contre, ce qui est très différent, c'est la position de conduite, et du coup le feeling, la répartition des masses et le feeling global qu'on a sur cette moto. Alors ce qui est un peu curieux, c'est que Husqvarna la présente comme une moto street, urbaine, décontractée, sympa. On est quand même pas mal sur l'avant et on se rend compte qu'on prend plus de plaisir à attaquer un peu et à rouler un peu vite qu'à flâner en ville. Donc ça, c'est quand même un des éléments importants. Pour le reste, au niveau du châssis, c'est de la qualité, hein, suspension WP, frein Bembo, pneus Bridgestone S21. Donc on est tout de suite sur un package qui est quand même d'un niveau plus que correct et c'est assez agréable à emmener. Et surtout, ce qui est vraiment assez fantastique, c'est que la moto pèse 157 kg à sec. Donc comme il y a 12 litres d'essence, on est de toute façon sous la barre des 170 kg avec les pleins. Et puis vous verrez, on a fait des caméras embarquées vu du guidon, c'est extrêmement agile, on jette d'un virage à l'autre. Et le fait d'avoir une moto qui n'a pas d'inertie, dont le poids s'est oublié, c'est aussi une vraie source de plaisir. Quatrième point, l'électronique. Donc là, on est sur un ride-by-wire, donc on a un peu le minimum, on n'a pas des choses très très sophistiquées, il n'y a pas de mode de conduite différent. En même temps, avec 75 chevaux, ce n'est pas non plus forcément nécessaire. Il y a un contrôle de traction on-off, il n'y a pas 12 niveaux différents, on l'a ou on ne l'a pas, on choisit. Et puis il y a un ABS Bosch, assez sensible à l'arrière, hein, par ailleurs, mais qui est aussi déconnectable. Cinquième point, c'est comment la vie avec cette moto, ben, c'est encore une fois, il y a une petite curiosité sur le positionnement, puisque Husqvarna, encore une fois, la présente comme une machine street urbaine pour une clientèle, je dirais,
sensible à sa posture, et de toute façon c'est sûr qu'on se fait remarquer au guidon de cette moto. Moi j'ai tendance à considérer qu'on est plus en mesure de l'apprécier sur des routes de montagne à des vitesses raisonnables, à un rythme un petit peu enlevé, parce que bon châssis, position de conduite un peu sportive, très très bon moteur. Alors qu'en ville, bon ben voilà, c'est un mono, donc ça cogne un peu en bas. Le rayon de braquage est assez correct sans être exceptionnel, et puis on est quand même un petit peu sur l'avant. Voilà, donc maintenant ce que je vous propose, c'est ben, de saluer un peu l'entrée du Xvarna sur le segment des roadsters, de moyenne cylindrée. Et puis ce que je vous propose aussi, si vous le souhaitez, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube Le Repère des Motards.com, puisque ça c'est la première de la famille qu'on vient d'essayer, mais il y aura très bientôt l'essai de sa petite sœur, la 401 Vite Pilon, et puis de d'autres déclinaisons, la 401 Svart Pilon.